toutes et à tous. Donc on va continuer notre traduction des souvenirs de Malati Devi Dasi, de son maître spirituel, Srila Prabhupada. Donc elle demande, est-ce que certains d'entre vous sont déjà allés en Inde et est-ce que vous êtes déjà allés à Jaipur? Donc Jaipur, c'était rempli de singes, donc dès qu'elle commençait à cuisiner, tous les singes y se rassemblaient. Et ils avaient vraiment pas peur. Ils essayaient de tout prendre, même dans le pot, ils essayaient de piocher directement dans le pot. Parce que parfois, elle cuisinait dans quelque chose avec trois étages, mais parfois, elle prenait une poêle pour faire frire aussi, et ils prenaient et ils se servaient directement dans la poêle. Et un jour, j'étais vraiment très frustré. Et Prabhupada m'a dit, prends un bâton, mais ne les frappe pas, juste montre-leur le bâton. Et ce jour, il m'a laissé utiliser sa canne. Et dès que j'ai pris cette canne, c'était comme magique, tous les singes ont disparu. Mais il a dit, si tu les frappes, ils vont devenir en colère et ils vont t'attaquer. Donc juste bouge le bâton et montre-leur. Donc j'avais ce bâton, après ça j'ai eu mon propre bâton. Et dès qu'il y en a un qui s'approchait, je le montrais et je le faisais bouger. Durant cette époque-là, je cuisinais et je nettoyais. Un jour, je nettoyais la chambre et je ne pouvais pas vraiment partir pour les marches matinales parce que c'était le moment où je nettoyais. Je devais être sûr que tout soit nettoyé pour quand ils reviennent. Et au même moment, et aussi que le petit déjeuner soit servi. Et je me rappelle un jour, je remettais en place le bureau. Et ça semblait être une petite chose. J'avais un stylo, je savais que je l'avais pris de ce côté-là du bureau. Et mon mental était déjà passé à autre chose, je réfléchissais à comment préparer le prasadam. Donc j'ai décidé de mettre le stylo de l'autre côté du bureau. Et plus tard, lorsque Srila Prabhupada est revenu, il a dit « Qui a touché à mon bureau ?» Alors, bien sûr, il savait que c'était moi qui le faisais tous les jours, mais ce jour, je n'avais pas remis le stylo exactement au bon endroit. Et il m'a dit « Ne change rien. » Et c'était très profond parce que j'ai réalisé à quel point Srila Prabhupada était attentionné et chaque moment était précieux et avait de la valeur à ses yeux. Donc, il avait son bureau arrangé très précisément. Et lorsqu'il s'asseyait, il ne perdait aucun temps. Tout de suite, il commençait son service. Donc, évidemment, s'il commençait à chercher à son stylo pour savoir où est-ce qu'il était, nous, les Américains, on est vraiment très relaxés sur ce point-là. On peut dire, c'est quoi le problème? Il est de l'autre côté, là-bas. Mais Prabhupada, il voyait que tout appartenait comme appartenant à Krishna. Et le temps aussi lui appartenait. Et donc, il ne voulait pas perdre de temps. Donc, il était très précis. Et je me sentais vraiment très coupable d'avoir fait ça. Parce que j'avais causé des problèmes à mon maître spirituel de cette manière-là. Un peu plus tard, quand les déités sont arrivées en décembre, après quelque temps, il y a eu des discussions à propos du yatra indien. Et un jour, on a eu une lettre de Srila Prabhupada. Il y avait une liste de 11 personnes. Et il voulait que ces 11 personnes le rencontrent en Inde. Le 1er septembre, ou quelque chose par là. Peut-être le 9 septembre. Donc, il y avait moi, mon mari et ma fille qui étaient la 11e personne sur cette liste. Donc, on s'est vraiment concentré sur le fait d'aller en Inde. Et c'était comme, on n'avait aucune idée, c'était comme aller en Angleterre. On ne connaissait personne, on n'avait aucun argent, mais Prabhupada voulait qu'on y aille, donc on y allait. Donc, Shyamasundar
Il s'est arrangé pour avoir des billets d'avion vraiment pas chers. Et en fait, cette compagnie d'avion, elle était tellement low cost. Donc, c'était pas comme un jet maintenant, c'était un avion un peu en dessous. Et il y avait un. Donc, c'était pas un avion à propulsion, c'était à hélice, je pense. Et donc, il y avait une corde qui attachait de l'arrière de l'avion à devant. Et lorsqu'il voulait tourner, il tirait sur cette corde. Il n'y avait pas de fontaine à eau. Il y avait un baril avec de l'eau et on devait prendre une petite cup. Et il y avait juste comme un morceau de tissu pour séparer de la seule salle de bain. Donc c'est comme ça qu'on est allé en Inde pour le premier voyage. Et ensuite, lorsqu'on est arrivé à Bombay, ils ont stoppé cette compagnie d'avion. Ils n'ont plus jamais été autorisés à faire voler des avions. Donc on y allait pour vraiment pas cher. Donc on est arrivé à Bombay. Et voilà, on y était, mais on ne savait pas où aller ou vers qui aller. Et soudainement, des personnes sont arrivées et ils ont commencé à nous donner des guirlandes. Et ils nous ont amenés dans une maison. Et nous ont dit Somiji sera là bientôt. Tout était comme un miracle ou comme un conte de fées. Tout est en train de se dérouler. Et Prabhupada est arrivé, nous lui avons offert nos hommages. Et il nous a dit partez dehors et faites Harinam. Comme en Angleterre, tout de suite, il nous a envoyés dans les rues de Bombay pour faire Harinam. C'était immédiat. L'année dernière, j'ai eu une expérience merveilleuse. J'ai été invité au Brésil. Et là, les dévots en Amérique du Sud sont très isolés. Ils n'ont eu la présence physique de Srila Prabhupada qu'une seule fois, quand il est allé à Caracas. Donc, très peu de dévots en Amérique du Sud ont eu un contact avec Srila Prabhupada. Et même leur gourou initiateur, il m'a dit que lui aussi, il n'a vu que Prabhupada qu'une seule fois, très rapidement, ici à Los Angeles. Mais leur sentiment pour Prabhupada est tellement puissant, tellement fort. Et ils le servent avec tellement d'enthousiasme. Et dans ce très beau temple, à la nouvelle Gokul, je sentais la présence de Srila Prabhupada à chaque instant. Et chaque dévot là-bas était concentré sur Srila Prabhupada. Du plus âgé au plus jeune, et le plus âgé avec 92 ans. Et il n'y avait aucun doute à propos de ça. Leur Guru Puja était parmi ceux des plus enthousiastes que j'ai vus. Et c'était très personnel aussi. Et pourtant, la plupart d'entre eux n'avaient jamais vu Srila Prabhupada personnellement. Mais ils le voyaient tous les jours de cette manière-là. Et ils rendaient sa présence, ils manifestaient sa présence pour le plaisir de ses dévots sincères. Un jour, lorsque Srila Prabhupada revenait de l'aéroport, la première chose qu'il m'a dit, non, la première chose qui m'a frappé, c'est qu'il m'a dit d'une manière vraiment très simple, sans condamnation, sans opinion, c'était comme juste un fait,
C'est comme s'il était en train de pleuvoir et que moi je disais, ben, oh, il pleut, c'est un simple fait. On peut l'aimer ou pas, mais le fait est toujours là. Le fait est qu'il pleut. Donc de la même manière, il nous a dit, il n'y a aucun amour dans ce monde matériel. On était tous des hippies, vous savez, de cette génération-là. Et donc, particulièrement, le fil conducteur de ce mouvement hippie, spécialement à San Francisco, c'était l'amour. Et aucune entité vivante ne peut dire, dénier le fait qu'il cherche l'amour. Et même ces petits animaux, ils ne peuvent pas vivre, survivre sans amour. Si vous avez un animal chez vous et que vous l'ignorez, alors il devient très triste. Donc, chaque entité vivante dans ce monde a besoin d'amour. Et elle a ce désir naturel de chercher l'amour à travers des relations. À travers le fait de créer des situations avec d'autres personnes. Mais on avait tous été déçus. On avait tous été amoureux, ou presque tous d'entre nous. Mais seulement pour trouver que, au final, que l'amour était perdu ou qu'il était parti. Lorsque cet objet d'amour était parti. Donc cette propension d'aimer, ça a amené aussi de la tristesse. Et pourtant, ce n'est pas ce à quoi doit ressembler le vrai amour. Donc on ne l'avait pas trouvé. Donc lorsqu'il a dit ça, il n'y a aucun amour dans ce monde matériel. C'était une chose tellement simple mais profonde. Dans mon cœur, ça m'a ramené un grand soulagement. Ah, je n'ai plus besoin de chercher, je n'ai plus besoin d'y penser, parce que de toute façon, il n'est pas là. Et ce n'était pas quelque chose qui était négatif. Et il a continué en expliquant qu'est-ce que c'était le véritable amour. Et pourquoi on ne le trouvait pas? Parce qu'on ne comprenait pas ce qu'était le véritable amour. Et il nous a donné la réponse, bien sûr, à travers Krishna. Et donc, c'était comme un soulagement. Et ça, c'était la première impression, forte impression que j'ai eue. On ne connaissait pas grand-chose à propos de l'étiquette Vaishnava. Donc, lorsqu'on a eu notre cérémonie du feu, on ne s'était jamais vu avec Shyama Sundar. Donc, on nous avait dit quoi avoir. Donc, la première chose, c'était d'avoir du ghee et du beurre. Et donc, je me suis dit, mince, mais on va gâcher tout ce beurre-là. Et les fruits, et donc, tout ça me semblait un peu bizarre. Mais bon, on allait le faire. Et Prabhupada, c'est lui qui faisait le yaga. Il nous a donné des bananes. Donc, on s'est regardé. Quatre d'entre nous. Et qu'est-ce qu'on fait avec des bananes? Ben, on les épluche, on les ouvre. Donc quelqu'un est vite venu nous voir et nous a dit non, il fallait les mettre dans le feu. Donc on s'est regardé, puis on les a mis dans le feu. Et là, ensuite on entend qu'il nous dit rendez vos hommages. Et son accent était vraiment très fort. Donc, on venait juste d'avoir un nouveau nom, d'avoir un collier. Il y a le feu qui est en train de craquer. Et vous entendez cette chose-là. Donc, on se regarde tous, encore une fois. On ne sait pas vraiment quoi faire. Et il y a Haridas qui a compris. Et donc, tout de suite, on s'est agenouillé. Et puis, on a commencé à souffler sur le feu. Et ça fait un souffle vers le visage de Srila Prabhupada. Et donc les yeux de Prabhupada se sont agrandis, sont devenus très très grands. Et il a pris ses kirtans et il a commencé à faire un kirtan. Donc bien sûr, il nous demandait de s'agenouiller. Mais on n'avait aucun concept, aucune instruction de ce qu'était l'étiquette.
Et donc, on était juste des âmes confuses. Et on a montré notre confusion à travers cette manière d'agir un peu étrange. Au début, on était curieux de comment chanter. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on chante? Et donc, Srila Prabhupada nous a dit deux choses. Quoi faire et à quoi penser? Ça, c'était la question qu'on avait. Donc, vous ne faites rien et vous ne pensez à rien. Vous simplement vous écoutez. Et donc, jusqu'à maintenant, c'est ce que j'essaie de faire. D'une manière ou d'une autre, écouter lorsque je chante. Tout ce qui venait d'Inde, c'était très exotique et attirant. Si ça venait d'Inde, bah, ça avait forcément quelque chose à voir avec Srila Prabhupada, parce que lui aussi, il venait d'Inde. Donc, on voyait d'une manière très mystique, cette chose-là. Et un jour, il y a un message qui est venu. Et donc, il venait d'Inde, donc on voulait vraiment savoir ce que c'était. Et après qu'on soit tous montés dans le bureau, on l'a vu que le message avait été ouvert, donc on attendait qu'il nous dise ce que c'était. Et il n'a rien dit, donc finalement, une dévote a dit « Oh, Swamiji, on a eu une lettre d'Inde, c'est ça ?» Et donc il a dit « Oui ». Alors, est-ce que c'était des bonnes nouvelles? Et il a répondu oui. Bon, ben, qu'est-ce que c'était alors? Et c'est homme, ma sœur est morte. Et il a dit oui. C'était une pure dévote. C'était une Vaishnava. Et donc, on était sur place, on s'est figé tous. On a eu la réalisation soudaine de son équanimité, de sa connexion avec Krishna, qui était vraiment sur un niveau vrai et absolu. Et on a eu comme ce petit fragment, on a eu cette petite vision de l'éternité, et on a compris qu'on en faisait partie aussi, parce qu'il n'y avait aucune perte. Lorsque nous sommes arrivés pour la première fois à Mayapur, il y avait vraiment peu de choses à cette époque-là. Tout était dans la boue. Et donc, on arrivait à ce moment-là. Et Srila Prabhupada, il restait dans une petite hutte en briques. Shyama Sundar, c'était son secrétaire. Et moi, j'étais la cuisinière. Et il faut que je parle un peu de la situation pour que vous puissiez comprendre un petit peu le sentiment qu'il y avait et que j'avais. J'avais toujours voulu être sa cuisinière comme ça. Et donc Krishna m'avait donné cette récompense. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, c'était comme ça. Mon mari et moi, nous étions engagés dans son service, dans le service au Guru. Et à ce moment, à Mayapur, donc j'avais le service au Guru, mais j'avais le service à mon mari et le service à ma fille. Et j'essayais de maintenir ma santé mentale avec tout ça, parce que matériellement, c'était impossible. Donc il n'y avait aucun arrangement extérieur. Moi, je vivais dans une tente. J'avais deux seaux pour cuisiner. Et un serviteur, il venait tous les jours. Il prenait un de ses seaux pour faire chauffer l'eau pour Srila Prabhupada. Et j'ai jamais pensé pourquoi est-ce qu'il n'allait pas prendre son propre seau. Et du coup, il ne me restait plus qu'un seul seau. Et j'en avais besoin pour faire les chapatis, etc. Mais en réalité,
je devais commencer mes journées en confrontant le trésorier. Donc le devoir d'un trésorier, ce n'est pas de donner de l'argent, c'est de garder chaque paisa, chaque centime, peu importe ce qu'il arrive et peu importe qui vient. Donc j'avais un argument royal avec le trésorier à propos de du boga de Srila Prabhupada. Et ensuite, je prenais ma fille et je devais argumenter avec le conducteur du rickshaw pour qui devait m'amener jusqu'au bateau, où j'avais un autre argument à propos de l'argent. Parce que puisque nous étions blancs, ils voulaient qu'on paye 10 fois plus. Mais le trésorier ne donnait que ce que les locaux payaient, peu importe ce qui se passait. Et donc, ils ne voulaient pas payer pour ma fille. Et voulait que ma fille, elle paye. Et donc, chaque matin, j'avais un argument très fort pour ça. Et lorsque vous preniez le bateau et que vous arriviez de l'autre côté, lorsque vous débarquiez, il y avait une personne et on devait payer cette personne, on devait lui payer une taxe pour marcher sur la berge. Donc là aussi, il y avait une autre argumentation. Et ensuite, il y avait un autre conducteur de rickshaw qui me ramenait à un marché. Et là, je devais argumenter avec tous ceux avec qui je devais acheter des choses. Et ensuite, je devais tout refaire lorsque je prenais le chemin du retour. Et donc, le moment de là jusqu'au moment où je revienne, j'essayais de garder ma fille aussi et qu'elle soit heureuse. Et après, je devais commencer à cuisiner. Et ensuite, il y avait le serviteur qui venait pour me prendre un des seaux, juste avant le repas, juste pour doubler mon anxiété, qui était déjà très très haute. Et donc, j'ai commencé à penser, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et en plus de cela, tous les jours, je pensais, comment est-ce que je peux faire plaisir à Srila Prabhupada? Et je pensais vraiment comme ça. Je voulais vraiment cuisiner parfaitement pour lui. Et donc, toute la journée, je pensais à ça, même si je ne cuisinais pas, après que j'ai fini de cuisiner, je pensais déjà à la journée d'après, comment je pouvais le faire parfaitement. Et il me semblait que tous les jours, il me disait quelque chose que je faisais d'une manière imparfaite. Et je peux me rappeler, un jour, il y avait trop de sel. On mettait toujours du sel, du poivre et du citron, je crois. Et un jour, il y avait trop de sel. Et donc, le jour d'après, j'ai mis moins de sel, mais là, il n'y en avait pas assez. Et donc, je pensais, j'arrive pas à le faire d'une bonne manière. Tout ce que je fais, c'est d'une mauvaise manière. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être que, en fait, je devrais arrêter de cuisiner. Et au moment où cette idée est venue dans mon esprit, j'ai commencé à sentir... Oui, c'est vrai, en fait, quelqu'un d'autre devrait cuisiner. Et oui, je lui dis, bah oui, je me suis dit, je vais aller voir Srila Prabhupada et je vais lui dire de trouver quelqu'un d'autre, ou moi, je trouverai quelqu'un d'autre qui sera meilleur que moi. Et j'ai commencé à me sentir mieux. Et je pensais que le problème était résolu. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le dire à Srila Prabhupada et c'est bon. Donc le jour d'après, je suis allé avec cette idée en tête. Et j'avais entendu que ses frères en Dieu allaient venir pour le repas. Parce que c'était une autre chose. Prabhupada était critiqué parce que son cuisinier, c'était une femme. Et donc, je ne me sentais pas bien par rapport à ça aussi. Donc, il y avait d'autres critiques, mais ça, c'en était une. Et donc, j'apprends que ses frères en Dieu, ils vont venir pour manger. Donc, je pense... Bon, bah, c'est sûr qu'il ne va pas me demander de cuisiner, donc je lui dirai demain. Mais il m'appelle dans la pièce et commence à me dire qu'est-ce qu'il veut pour manger. Donc je ne pouvais pas vraiment dire, bon, bah, je ne prends pas de pas aujourd'hui, parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient déjà lancées. Donc bon, j'ai dit ok, j'ai commencé à préparer le repas. Et donc j'arrive pour ramener le repas.
Et je regarde, je suis sur le devant de la pièce, et je vois, il est tout au fond, comme un roi, assis d'une manière royale. Et tout autour, de chaque côté de lui, il y a tous ces Vaishnav aînés. C'était très impressionnant. Et je me suis senti vraiment très intimidé. Donc, ce que j'ai fait, parce que je devais rentrer dans cette pièce-là, j'ai pris mon sari et je l'ai mis sur ma tête, comme en Inde, en me couvrant complètement le visage. Et je me suis agenouillé et j'ai commencé à rentrer comme ça. Et la seule chose que j'avais du coup au-dessus de mon visage, au-dessus de ma tête, c'était le plateau. Et j'ai commencé à ramper au sol comme ça, juste avec le plateau. Et je l'ai mis par terre. Et donc je rendais mes hommages. Et j'ai commencé à tout doucement à partir en arrière. Et j'ai entendu Srila Prabhupada dire, oui, elle cuisine pour moi. Donc Srila Prabhupada, il a dit, oui, c'est elle qui cuisine pour moi, et moi, tout ce que je fais, c'est que je la critique, mais elle serait prête à se trancher la gorge pour moi, et moi, je ferais la même chose pour elle. Et lorsqu'il a dit ça, je me suis complètement désintégré. Et lorsque je suis arrivé au bout de la pièce, près de la porte, j'étais extrêmement triste et j'avais des larmes qui coulaient parce que j'ai réalisé à ce point comment ma conscience était tellement matérielle et comment ma manière d'agir, ma manière de penser à ce problème était basée seulement sur une mauvaise compréhension de la relation entre le gourou et le disciple. Et en fait, parce que tous les jours je pensais, pendant toute la journée, je veux que ça soit parfaite et je lui demandais qu'est-ce qu'il voulait. Et donc, il ne me critiquait pas, c'est juste qu'il. Parce que, puisque je voulais savoir comment ça pouvait être encore mieux pour lui, alors il me le disait. Et donc, j'étais dans une telle illusion dans cette position de disciple, et je ne comprenais pas quelle était cette relation. C'est pas que le service, c'est pas que tu me tapes sur l'épaule. Et donc ça, c'était ma mauvaise conception. Et lorsque j'ai entendu ça, j'ai réalisé qu'en fait, c'était vrai. Il n'y avait aucun doute à propos de ça. C'était absolument vrai. Et mon sentiment, c'était ça. Et c'est vrai, j'aurais fait absolument tout. Mais je n'avais jamais pensé au fait que Prabhupada puisse faire quelque chose pour nous. Et j'ai réalisé qu'il était déjà en train de tout faire pour nous. Et donc, mon insignifiance à ce point, c'était immense. Et ma gratitude et mon amour pour lui étaient difficiles à expliquer. Mais ce potentiel, il a été révélé à ce moment-là. Le moment où Shyam Sundar il était en train de sculpter le premier Jagannath. Jai Chimalati Devi Dasi ki jai Shila Prabhupada ki jai Gaura Premanande Hari Bol.